Et salut à tous et à toutes, c'est Toupika, j'espère que vous allez bien, moi ça va toujours super bien. Et on se retrouve pour la suite du Goku de Ratchet & Clank Opération Destruction. Donc on se retrouve tout de suite après la précédente. Et on est parti donc pour la planète, la prison de... sur la planète Visseron. Pour aller dans la prison de Zordoom, là où Talwin est retenu, là où Talwin pardon est retenue prisonnière. Et donc on va aller la délivrer. Enfin on va essayer du moins. Parce que prison, ça s'habite toujours pas comme ça hein. Ne croyez pas. Allez, prison de Zordoom, planète Visseron. Ratchet, tu dois comprendre. Le dimensionnateur doit être détruit. Pourquoi? Parce que tes amis imaginaires te l'ont conseillé? Ratchet? Clank? Quoi? Je tombe au mauvais moment? Non, tu tombes au meilleur moment, Quark. T'as trouvé les schémas holographiques de la prison de Zordoom qu'on voulait? Non, pas besoin d'holographe, Ratchet. Il s'avère que je suis un professionnel des schémas, formé à la prestigieuse annexe d'apprentissage de Garwan. Attention! La prison de Zordoom, un dangereux donjon où des détenus démoniaques disséminent la destruction. Des démons dépravés qui déversent leur domination depuis des décennies de... Bref, ce sont des criminels. Pour infiltrer cette forteresse de la peur, notre agent, nom de code Maccabée, devra se frayer un chemin sur le glissorail de la mort, traverser l'allée des âmes torturées et grimper sur la rampe grave pour sauter dans la gueule du joyeux chacun. Tandis que je dirigerai les opérations depuis ma demeure solitaire, notre agent bondira dans un ascenseur jusqu'au repère de la tristesse éternelle. C'est ici qu'il affrontera une armée de soldats de Tachyon, qu'il luttera contre un groupe de bandits et une meute tout entière de pandas ninjas zombies. Alors, bonne chance, Maccabé. Que ta mort soit glorieuse et héroïque. Merci, Quark. Merci. Super schéma de Quark. Oh putain. Énorme. Énormissime. Allez, alors... Opération désir de mort lancée. Désir de mort. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi cette petite merde? Opération désir de mort lancée. J'ai pas franchement envie de mourir, mais enfin bon. Alors, est-ce qu'il y a... Donc je prends des munitions, est-ce qu'il y a des armes? Négociateur, pulvérise ses adversaires en mine morceaux, ce dispositif incendiaire, dernier cri intégré aux roquettes. C'est une des meilleures armes du jeu, je peux vous le dire de suite. Elle me fait vraiment giser. Voilà, négociateur. Super putain de putain d'arme, vous allez voir. Alors, à quoi ça sert d'aller là-haut? Attendez, là, il faut prendre les hélicapsules. Donc, j'ai bien envie de voir à quoi ça sert. À la station Medvac. Ouh! Vous avez vu tout le ravitaillement et tout qu'il y a là-bas? Vous avez vu? Oui. Alors. Comment on va là-bas? Comment on va là-bas? Est-ce qu'on peut détruire celle qui est déjà là? Et voilà, j'ai trouvé comment il fallait faire. Simplement. Tac. Je suppose qu'il doit y avoir un truc sympatoche. Un droïde de maintenance est prié de se présenter dans les chambres d'annihilation sensorielle du secteur 4. Un robot de maintenance au secteur 4. Je sais pas. 4. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Je sais pas du tout ce que c'est, genre. Je sais pas du tout si c'est la mission ou pas. Dans tous les cas, j'y vais. Ça se trouve, c'est une putain de zone secrète, comme ça pourrait être une. Comme ça pourrait être la suite de la mission. Je sais pas du tout. Alors bon bah déjà écoutez on va ouvrir ça. C'est là qu'on va avoir une mauvaise surprise, je le sens. Mais pourquoi ça? Attendez, c'est quoi ce bordel? Voilà, c'est bon, là j'ai tout ouvert, je crois, et tout le monde ça arrive. Bon, si c'était juste pour quelques cases de merde.
et demander au quai aérien de Glissorail. Un droïde de maintenance au quai aérien. Mais on peut remonter, ça que j'arrive pas très très bien à saisir là. Attendez, mais où est-ce qu'il faut aller là? Là, faut aller par là. Je peux pas aller plus vers là, gars. Hein. Impossible, je peux pas. Bon alors, j'avoue que je comprends pas très bien. On va passer par là. Vite, vite, avant qu'elle s'en aille. Ah, ça doit être en haut. Ah, si, si. Alors. Oh, c'était bien. Une putain de zone secrète dedans avec plein de réitanium. Subit actuellement une ionisation de routine jusqu'à jeudi. Veuillez. Et alors là-haut, si nous mettons. Est-ce que je peux en lancer une jusqu'à... Bon, écoutez, je vais refaire le truc. Oh, j'avoue que je sais pas du tout ce que c'est, les gens. C'est... Je crois même pas que c'est la suite de la mission parce que... Merde, ça a pas marché. Là. Et du coup, la première, elle va s'en aller, non? Ouais, exact. Super. Allez. Non, dépêche-toi, non! Ah, la salope! Ah là 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 là. Allez, vite, toi, remonte. Remonte. Voilà. Allez. Putain, mais non, mais c'est impossible. D'accord, non, mais j'ai compris. J'ai compris mon erreur. Voilà. On fait celle-là d'abord. Et ensuite, après, on fait celle-là. Et là, on se bouge le cul. J'ai dit, on se bouge le putain de cul. Putain. Oh putain. On demande un droïde de maintenance. Yes. À l'avant-poste de sécurité G. Un droïde de maintenance à l'avant-poste. Poste de sécurité. Allez. Alors. Ça, tac. C'est bon. Et on ressort. Bah écoutez les gens, c'était juste. On demande un mécanicien au quai de chargement. Un mécanicien au quai de chargement. Je crois que c'était juste une putain de zone bonus, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre explication, je crois. Alors ça fait tourner quoi? Ouh, attendez. Oh, attendez. Oh là là. Oh là là! Alors attendez les gens, si ça, ça nous emmène. Oh non, non, non. Eh oh, eh oh. Me lâche pas! Me lâche pas maintenant! Détenu numéro 394. Ah là, faut en remettre une pour que ça remonte. Attendez, si ça, ça nous emmène au truc de raritanium et tout que j'ai vu, ça risque d'être vraiment coquin les gens. Ça risque d'avoir valu vraiment le coup. Allez hop, on en remet une, vite! Dépêche-toi! Mais dépêche-toi, putain, j'en ai lancé 30 000! What the fuck? Ils nous remettent où là? Ok, c'est bon, j'ai peur. On demande un mécanicien au quai de chargement. Ok, donc c'est pas facile, hein, parce que les trucs qui se verrouillent pas forcément pile poil quand vous, quand vous les jetez, c'est pas facile, hein. Allez. Mais où est-ce que tu vas là? Me fais pas chier, bordel. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Allez. Détenu numéro 394K. Faut vraiment... En même temps, faut prendre son temps et en même temps, faut être précis. Vous voyez ce que je veux dire? Oula, elle tourne comme une demeurée, là, la truc. J'ai pas confiance. Elle va s'en aller. Attention, attention. Vite, maintenant. Go. Non! Putain, ça allait ne pas marcher. Ça allait ne pas marcher. Et heureusement, ça marche. Oh putain, les gens, ça va m'emmener là où il y a tous les boulons et tout le raritanium, là. Oh!
Bon bah j'ai bien fait de vous montrer ça, écoutez, c'est une petite zone de bonus assez sympa. Plutôt fournie, c'est pour ça que ça m'interrogeait un petit peu quand même, parce que je me suis dit waouh, c'est gros quand même. Comme... À la cafétéria. Mais c'est quoi ça? Visicoptère. Ça doit être un nouvel accessoire pour juste pour ce monde-là, je pense. Ah, attendez, là on a une autre petite capsule à mettre. En fait, non. Un croque-mort est attendez, je crois qu'il y a un problème là. Je crois qu'il faut la détruire. Un croque-mort à la cafétéria. Exact. Voilà, fallait la détruire pour pouvoir passer. On en met une. Et un boulon en or. Oh putain. Yeah. Oh là là. Zone secrète de la mort. Ça c'est fait les gens, ça c'est fait. C'était pas facile en plus hein. Bon bah écoute, on s'est bien fait plaisir, là on a pas mal d'oritanium. On peut rentrer. Et on va continuer donc l'émission. C'est parti, oh ils sont revenus. Mais vous allez encore mourir, c'est con hein. Attendez. Oh. Ils sont invisibles. Oreille de la mort juste après hein. De la mort qui tue quoi ouais. Oui. Ah on va avoir une séquence de décryptage. Je pense que c'est là que ça va se corser niveau décryptage. Ok, faut aller où là? Ok ici. D'accord, je vois ce qu'il faut faire. Vous voyez, là il y a deux charges qui sont passées. Celle qui allait à gauche, bah, vous allez pas vous en servir. Là vous avez juste à emmener celle-là par exemple. Et là, ce qui va être chaud, c'est qu'après, ça va jouer sur plusieurs charges en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, il va y avoir plusieurs points d'arrivée. Et il va falloir mener toutes les charges à la bonne destination. Donc ça, c'est vraiment très dur. Là, ça allait encore, mais je crois qu'après, ça devient vraiment hyper hard. Nous vous rappelons que tout détenu on est parti. En train de se moquer du nom ou de la taille de l'empereur Tachyon sera exécuté sur le champ. Allez. Maccabé. Instruction et à ta chancerie, tu réussiras peut-être à sortir vivant d'ici. Votre attention, Terraclose. Nous venons d'être informés que votre planète avait été consumée par la supernova Beryléum. Vos sentences ont été annulées et vous êtes libre d'errer dans la galaxie à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. Vous êtes libre d'errer dans la galaxie à la recherche d'un nouvel endroit pour vivre. 829C, Cognito Slim. Veuillez vous présenter au secteur 12 pour un transfert vers la chambre de cryosommeil. Oh là là. Numéro 510D, Hard Light Ace. Veuillez vous présenter au mess pour les corvées de cuisine. Merde. Franchement, votre écoutez bien les annonces radio là. Une personne surprise en train de faire entrer illégalement des produits brumin net dans la prison sera condamnée à écouter de la musique folklorique graptorienne pendant 10 cycles. Il sera condamné à écouter de la musique folklorique, je sais pas quoi, pendant 10 cycles. Je répète, droïde de maintenant au secteur 8. Oh là là. Rappel, les blocs de cellules Alpha, Bravo, Delta et Zulu ont été verrouillés. Veuillez trouver une façon constructive d'occuper votre temps. C'est n'importe quoi, c'est... Ok, il n'y a pas d'âme torturée ici, mais attention au prochain... Tu risques d'activer le système de défense impénétrable de Zordum. Ah donc en fait ce qui est amené vous passez dans un projecteur, ça va s'enlever. Donc ça va lâcher le monstre. Donc va falloir faire gaffe. Donc là il va falloir faire tourner le boulon assez rapidement. Et sans se faire choper par le truc. Voilà, ça se fait. Du coup, derrière, on peut aller prendre le raritanium. Il me fait peur, le gros machin, là. Allez, il va falloir être sûr de ce qu'on fait, pas faire de conneries. Donc là c'est des dispositifs. Oh bah écoutez, j'ai tout. Ok, tu devrais être à côté de la rampe
Eh oui, mais c'est plus marrant de marcher la tête en bas. Alors, oula, attendez, je me remets bien sur ma chaise. Ah, là, va falloir faire gaffe. Je vois plusieurs ennemis dans ton secteur. Ici. Mais quoi qu'il arrive, surtout ne... Attends, j'ai un signal d'appel. Surtout ne... Attends. Bon, ça va. Tu as réussi. Eh ben, c'est passé. Je veux dire, tu as réussi. Maintenant, entre et utilise ton bidule qui décrypte pour pirater le pont. J'aime bien. Tu as réussi. Enfin, je veux dire, tu as réussi. C'est n'importe quoi. C'est énorme. Donc, encore une séquence de décrypteur. Juste après, si j'ai bien compris. Ah oui. Alors là, si je me souviens bien, ça va vraiment être hard. Alors, là, vous voyez, ça, ce sont des ennemis invisibles. Donc on va leur foutre... Ah, attendez, je vais vous montrer le négociateur. Il est surpuissant. Regardez ça. Boum. Ça envoie des roquettes comme ça. J'adore. Je surkiffe, tout simplement. Alors, attendez, ça c'est quoi ça? On peut aller là-haut ou je... Sinon, non, on peut bien aller là-haut pour essayer de récupérer un double boulon. À tous les détenus. L'Empire a officiellement suspendu toute libération conditionnelle jusqu'à ce que la menace Lombax ait été neutralisée. En outre, les détenus d'origine Lombax ne seront plus graciés. Ah, donc il y a des détenus d'origine Lombax dans la cellule, dans la truc, bah c'est... Je viens de le savoir. Ouh là là. Alors, bon, là il n'y a qu'un seul point de sortie, donc ça va. Alors, il va falloir passer par où? Donc on va activer celui-là ici. Oh putain, d'accord, je vois. Ok, donc là, il va falloir faire plein de zigzags. Oula. On va ici. Hop, faut pas se tromper, faut bien activer le bon lien. Ici. Là, faut pas se tromper, faut pas activer celui qui est en dessous, faut activer le troisième pour pouvoir passer tout là-bas, vous voyez. Elle enfonce. Voilà. Bon, vous voyez, là ça commence quand même à se corser un petit peu, hein, quand même, hein. Puis après, franchement, si je me souviens bien, ça va être super chaud. Alors là, on a un super gros truc. Écoutez, on va se charger avec notre négociateur. Boum, boum, boum. Oh là là, qu'est-ce que j'aime cette arme. En plus, elle est vraiment super rapide, vous voyez, paf, les missiles s'enchaînent vraiment. Ça va super vite. Hop, alpha dérangeur. Oula. Et voilà. On passe à la V3. Et souvenez-vous qu'à chaque V5 de chaque arme, il y a une nouvelle aptitude ajoutée à l'arme, donc c'est plutôt intéressant. Alors attendez, là on va prendre... Ah merde, j'ai plus de... Bon écoutez, on va prendre le pyrofoudroyeur. Parce que là on a des ennemis invisibles. Et on leur crame la gueule. Oh yeah. Voilà. Ça c'est fait. Bonne petite musique, hein. C'est sympatoche, hein. Sympatoche, ah oui. Ah oui, sympatoche. Comment on va là-haut? Comment va-t-on là-haut? C'est la question qu'on se pose. Je pense qu'on peut y aller après. Hein. Hop là. Oh là là, je l'avais pas vu celui-là. Je ne les avais pas vus plutôt. Voilà. Et on passe à la V4. Ah, bientôt la V5 pour ce disque zigzag. C'est un petit peu de raritanium. Hop. Ah, décryptage. Aïe, 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 là, vous voyez, il y a deux points de sortie. C'est là que ça va être chaud. C'est vraiment là que ça va être chaud. Donc, celui-là, c'est tout. Ensuite, on fait celui-là. D'accord, je vois, c'est bon. En fait, ça va être assez facile. On fait ça. Là, ça nous laisse le temps d'aller ici. Et là, attention, ne pas aller en dessous. Il faut aller sur la droite. Là, comme ça, après, le lien va pouvoir se diviser pour faire deux trucs qui vont aller dans les deux points d'arrêt là, dans les deux cibles à verrouiller.
Et là, vous en choisissez une, pardon. Voilà. Et voilà. Donc là, on va se jeter dans le... Je sais pas comment il appelait ça, Quark. Le puits de la mort, je sais pas quoi. Adieu, mes enfants. On peut aller en haut. Non, je pense qu'on peut y aller après. Adieu, mes amis. Donc là, on contrôle. Faut bien passer dans les trucs de sécurité. Aussi facile que de voler sa sucette à un môme. Presque trop facile, en fait. Une maladie de santé, quoi. Ouais, normal. Y'a un os. Il plaisante pas. Recoute tes oreilles. Bon, bah ça va. 7h11, bloc de cellule. Wow! Hello les amis, vous aimez le négociateur? Ah oui, oh moi j'aime, oh là là, oh, qu'est-ce que j'aime bien moi. Alors là, et on fait quoi là? Wow. Hop, amélioration de nanotech si je m'abuse. Non, même pas. Si je ne m'abuse, pardon, c'est pas si je m'abuse. Ah. Donc là, hop, qu'est-ce que je peux prendre? Merde, j'ai dit munitions, armes, on n'a rien. Je peux prendre améliorer. Ah, mon alpha dérangeur. Bah écoutez, je pense qu'on va essayer de l'améliorer à fond. Oui! Transducteur antimatière. Les transducteurs antimatière en configuré de manière dynamique la structure moléculaire de tout type touché par l'arme, permettant ainsi au rayon de passer directement à travers la cible et d'atteindre d'autres ennemis. J'achète! Oh oui! Écoutez, on va essayer d'upgrader le négociateur. Je ne veux pas, très bien. Le serveur de la prison pour trouver la cellule de Mademoiselle Apogée. Ah, donc là on va voir pirater encore. Là je pense que ça va être chaud. Alors. Ok, on prend celui-là. On a deux points. On a deux trucs à valider. D'accord, je vois, c'est bon. Donc pendant que le truc est en train de charger afin de se déplacer, regardez où il faut aller pour préparer votre prochain coup. Donc là vous voyez, le lien va se diviser. Hop, on prend celui-là. Putain, ça va être limite. Ça va vraiment être limite là. Attendez, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Ah, alors attendez. Là, va falloir réfléchir parce que c'était pas la bonne méthode. Attendez, je vais retenter parce que là, j'avoue, je sais pas trop comment faire. C'est au milieu là, il va se passer un truc à un moment donné. Est-ce qu'on peut faire tourner en rond une charge? Parce que ça pourrait être utile. Ouais, mais là les gars... Ah mais non, je suis con, j'aurais dû faire ça. Et oui, d'accord, c'est bon. J'ai trouvé mon témoin d'erreur, c'est bon. C'est bon, j'ai trouvé. Oui, merci. Donc là, c'est bon, j'ai trouvé. Parce que, bon, là, je peux pas vous montrer. Malheureusement, j'ai pas de curseur ni rien. Donc, je vais vous montrer quand on y sera. D'accord. Pas mal, hein. Là, vous voyez, là, franchement, ça se corse un petit peu. Faut réfléchir un petit peu, pas faire le con. Faut se poser, puis réfléchir, regarder un peu. Donc, attention, c'est là que tout va se jouer. Ici, là, on prend pas ce passage là, on prend celui là directement, puisqu'il y a une charge qui y va, hop, et là on fonce sur l'autre, et ça nous laisse le temps, voilà, nickel. Oh là là, je suis trop bon, allez, vive moi. Non, je déconne bien sûr, je suis pas comme ça. Voilà, on va retrouver Talwin. Évasion, tu sais impressionner les filles. Tu rigoles? Tu te souviens pas qu'on faisait ça tout le temps sur Kerouane?
Vraiment? Mais... comment vous saviez qu'on était là? On s'en fiche. Allez, faut sauver Croc et Zephyr. Eh oui, du coup, ils se rendent compte que maintenant, que c'est que grâce à Clank qui sait que... qu'elle est là. Eh oui, donc les Zoni, bah voilà, on va donc... Rachel va donc prendre conscience, je pense, de l'existence des Zoni. Attendez, comment on passe ça, là, nous? Bon, ça sert à rien, apparemment, de toute façon. Ah, va falloir délivrer les deux autres cons, en plus. Super. Alors là, vous pouvez être sûr qu'il va y avoir des ennemis qui vont débarquer. Tiens, salope, ça t'amendra à te faire capturer. Oula, en plus, ils sont invisibles. Vous n'êtes pas invisible pour mon pire foudroyeur. Oula, 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 oula. Hep, les gens. Chili con carnet. Je pense que c'est en utilisant le pyro foudroyeur que ça donne ça. Attendez, là ça marche pas. Négociateur. Wow, j'ai pas vu. Mais dis donc. Ah, le négociateur, il n'arrive pas à le verrouiller. Vous avez vu, les missiles, ils lui ont passé à travers. Ah. Il faut qu'on se sépare. Moi, je vais dans la chambre où ils retiennent mes amis. Je t'appelle quand j'ai fini. Allez, go. Ça me va. Ouh là 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 là. Putain, en fait, j'ai plus de vie, là. Ça va vraiment être tendu, les gens. J'espère qu'il y a de la vie après. Oh, bah, il y en a là. Ouh là. Il est là, lui. Super. Reste un peu occupé. Espèce de con. On va prendre le feu dérangeur. Ah voilà, donc c'est maintenant qu'on peut aller en haut. Comme vous avez dit tout à l'heure. Là, franchement, on commence à avoir beaucoup d'armes en plus, hein, vous avez vu. Goodwin, Renford, L. Veuillez vous présenter à la chambre de torture numéro 7. Chambre de torture. Wow, 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 wow. Oh putain. Plus de vie, plus de vie. Voilà. Là j'ai vraiment plus de vie, les gens. Ça va vraiment être tendu. Ok, attendez. Là je vais utiliser une bombe sangsue. Bah... oh non. Gros vitron. Disco. Allez. Oh putain, non. Ah. Alpha dérangeur. Enculé. Oh, attendez. Là, j'ai fait un one shot des deux parce que maintenant ça passe à travers. Non. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh putain, non. Oh non. Oh non. Oh mais quel con, je savais pas du tout qu'il allait avoir un trou là-dedans. Bon allez, accélérez les gens. Putain, c'est pas possible. Ils sont loin les checkpoints en plus. Allez. Eh oui, on s'est ta gueule. Allez, c'est trop easy les gars, venez, venez, je vous attends moi. Sauf qu'il peut. C'est bon, t'as fini? Il faut qu'on se sépare. Moi, je vais dans la chambre où il retient mes amis. M'en fous, go! Chalap. Chalap en fast start, on dirait la dino. Dédicace, à peine caché. Allez, allez, j'en ai plus de munitions. Négociateur! Oh putain! Mais tu m'as. Sérieux? Il est sérieux, lui, hein? Il est fucking sérieux? Non, il est pas sérieux. Ok. Ah merde. Alpha dérangeur, moi, l'enfuckers! Oh, ça va, chat, tiens. Eh oui, enculé, donc. Ne pas passer. Donc tu es là-bas, parce que ça m'a tué. Eh, vous êtes mort. Pyro. Oh putain, c'est déjà bonne chose. Chier, bordel. Ah
Allez, voilà. Ouh, je suppose qu'on part par là-bas, par ici. Ah oui, ça doit être ça. Oh là là, non, écoutez, je recommence pas tout. Je ne recommence pas tout, j'ai dit. Je vais vous donner de la vie bien gentiment et vous fermez votre gueule surtout. Non. Non. Mais c'est... impossible. C'est juste impossible. Oh. Je suis tellement désolé, putain. Voilà, tout ça, ce sera accéléré, bien sûr, hein. Allez, non, ta gueule, tu réfléchis même pas un instant. Tu mets ça, voilà, partout, ils vont se réveiller, ils vont te tuer. Ta gueule. Oui, je suis énervé. Ah, oui, je suis en mode furax. Oh putain, je peux pas les looker, c'est enfoiré. Merde. Ah, shut up. Négociateur. Allez, on continue, bordel. Il est où notre truc? Il est là. Allez, ouvre-toi, putain de porte de merde. Go for it, bitches. Putain, mais j'avais pas ma vie à fond, moi, en plus. Je le sais, enculé. Non, tu ne me feras rien, espèce de fou. Bim. Ça me donne de la vie, nickel. Alpha dérangeur. T'as pas le temps de réagir. Hop, machin truc, hop, là, truc, bidule. Non. Putain, j'allais tomber. Chut. Si je meurs là, les gens... je sais pas ce que je fais. Putain, mais oui, j'avais mon disco zigzag, moi, je faisais des trucs avec des armes de merde, là. Alors que j'ai lui, bon sang, mais je suis trop nul. Allez, voilà, on se calme. Oh, merde, ça me passe sur eux, bon sang. Non! Oh oui, un point de passage. Oh oui! Enfin, j'espère que c'en est un. Je pense que oui. Wouhou! Ça fait longtemps que la vidéo a commencé d'ailleurs. Bon, on s'échappe. Je pense que ça va pas durer trop longtemps non plus. Et on va enfin se sortir de là. Oh là 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 là! Au bon sang. Hop. Bon, bah j'espère que les, je sais pas combien de temps de accélérer vous auront plu, hein. Voilà, je mettrai sûrement une musique de Electric Joyride. C'est franchement un beatmaker que j'ai découvert il y a pas très longtemps et qui franchement fait juste des musiques géniales. J'adore, franchement j'adore. Il a un style vraiment superbe qui se retrouve à chaque fois dans chacune de ses musiques. Et il m'a permis d'utiliser ses musiques, enfin, bien sûr la connexion que je... que j'y fasse un petit peu de pub. Et franchement moi j'aime bien pouvoir vous faire découvrir ce genre de des personnes que j'aime. C'est pas vraiment de la pub, c'est pas vraiment un partenariat, c'est juste un partage. Voilà, moi j'adore ça. Puis non. Non. Ah. Ah. C'est insupportable. Venez, bande de pute, allez. Putain, j'en ai marre là. C'est bon quoi, j'en ai marre de refaire tout le temps les mêmes trucs. C'est bon. Allez. Oh là là, j'ai plus de munitions. Mais comme je disais, oui, j'aime bien. Enfin non, attendez, je vais pas le faire tout de suite. Voilà. Voilà. Là par exemple. Voilà. Là. Ah, ouais, voilà. Donc là comme je disais, oui, parce que j'aurais fait un petit accéléré je pense. J'aime bien vous faire découvrir des personnes que j'aime bien, ce genre de trucs là, j'aime bien les promouvoir, parce que voilà, donc si vous pouviez aussi également découvrir
sa chaîne, ce serait vraiment super, je pense, parce que c'était vraiment de super choses. Donc voilà, moi je vous conseille. Allez, toi ta gueule. Petit zag, non, 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 non. Ce ne sont pas ces petites merdes qui me font, qui me tueront, hein. Là. Wouh. Et un holoplan, les gens. Bon. Ah ouais, t'inquiète pas. Bon bah écoutez les vents, les vents, les gens, voilà qui cloue cette vidéo en beauté. Tu t'amusais à Zordum, j'ai réussi à voler les coordonnées de Kershaw City sur l'ordinateur personnel de Tachyon. Ah bah voilà. Je t'envoie les données. Ne me remercie pas, Maccabé. C'est de la routine quand on est un super-héros. Terminé. Maccabé. Obtenues pour la planète Jacindo. Eh bien écoutez les gens, dans la prochaine vidéo, nous allons aller sur la planète Jacindo pour peut-être découvrir le secret de l'Ombax. C'est une vidéo plutôt riche en action et en émotion, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la suite. Me suivez-moi sur Facebook et Twitter. À plus. On a fait.